Bonjour, c'est Alex et bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, je vous propose d'aller au cimetière. C'est pas mal le cimetière ensemble et comme ça, vous allez voir les chargements très rapides de la PlayStation 5. Voilà, on est arrivé, on est au chapitre 8. Donc, si vous n'avez pas fait Uncharted 4, l'époque où Avery a navigué jusqu'ici, l'endroit était déjà abandonné. Possible. En plus, avec l'énorme prime sur sa tête, ça lui faisait de bonnes planques. C'est le moment de parler du sponsor de la chaîne, à savoir Instant Gaming. C'est le site, si vous voulez acheter des jeux moins chers, et le lien est en description. Voilà, vous retrouverez un peu tous les jeux qu'il y a dessus et vous pouvez même en précommander. Merci. Donc si vous n'avez pas fait Uncharted 4, je vous conseille de ne pas regarder, de faire ça de votre côté tranquillement. On est sur la version collection PlayStation 5. J'ai vu quelques vidéos, ça y est, qui ont pop, j'ai eu vos retours aussi, donc je vais pouvoir comparer un peu avec la version PlayStation 4 que j'avais fait à l'époque. On est au chapitre 8, nous sommes avec Sam, notre frère. C'est entre toi et Rafe. Je pouvais vraiment plus le saquer. Et je suis presque sûr que lui non plus. J'étais en train de digérer ta mort, et avec toute sa frustration de ne pas trouver le trésor, je suis à peu près sûr qu'il était prêt à me tuer au moment où je suis parti. Imagine ce qu'il serait prêt à te faire maintenant. Je préfère éviter. Sam, écoute, il est impitoyable. Encore plus que quand on faisait équipe avec lui. J'ai entendu de ces trucs. Fais-moi confiance, toi aussi. J'ai plein de raisons qui me font croire que tout va bien se passer. Je l'espère. Parce qu'on avait commencé cette enquête. Le parc de la cathédrale? Ouais. Un peu. Mais ça fait longtemps, alors. C'est un peu flou. Je crois qu'ils vont continuer à discuter un peu. Mais c'est pas très grave, justement. Ça nous plonge en immersion dans ces décors. Et ouais, notre frère avait, je croyais qu'il était en train de parler à un arbre, était censé être mort il y a une quinzaine d'années, et la personne dont il parlait, Rafe, était notre associé il y a une quinzaine d'années. Et on cherchait un trésor en commun, et maintenant on le cherche que nous deux contre lui, en gros. Voilà. Et par où je peux descendre? Vous pensez que je peux descendre par ici directement? Je pense, mais je risque de glisser. Mais c'est très drôle de glisser. J'adore glisser. J'adore... C'était pas par là. Mais au moins, j'ai glissé. J'adore glisser. Ouais, on va peut-être faire plus comme ça. Tu veux que j'aille par où? Attendez, je suis vraiment déjà bloqué. Non, je pense que le chemin est par là-bas. Et oui, du coup, j'ai vu quelques vidéos comparatives avec la version... Attendez, parce que j'ai pas envie de rester bloqué. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Je glisse, mais je saute de l'autre côté. Voilà. Et en gros, j'aurais pu arriver d'en haut, tout simplement. Oui. On a fait une croix, comme s'il y avait un trésor. Et le jeu, on a trois modes. Il y a le mode fidélité, 4K, 30 images seconde. Le mode performance sur lequel je joue actuellement, où c'est du, je crois que c'est du 2K, en 60 images seconde. Mais vous pouvez jouer en 120 images seconde, en 1080, en Full HD en gros. Et donc ça c'est pas mal, ils ont revu un peu les animations. Pour ce qui est du reste du jeu, en termes de peaufinage, c'est très léger et très perfectible. Du matériel d'excavation. Shoreline? Quoi? Regarde. Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Et il y a un truc, c'est que j'ai toujours pas trouvé la sensi. J'avais l'impression dans Uncharted 4 à l'époque que j'étais beaucoup plus précis. Là, je sais pas si c'est les gâchettes adaptatives, on va dire que c'est ça, pour que je me trouve une excuse. J'ai plus de mal à viser que... Ça, j'adore par contre tout pousser. Ça, c'est de la balle. Ouais. Moi aussi, j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait. Mais on dirait qu'il cherche à l'extérieur de la cathédrale. Ouais, je vais prendre juste quelques balles. Qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. Ah, je veux monter. Donc oui, pour terminer, le visuel, j'ai regardé sur Digital Foundry, la chaîne que je vous conseille. Sous la si, on l'a fait. Oh, il y a un animal. Un peu. Mais cet endroit est tellement grand que, franchement, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Regardez-moi ça aussi, c'est... Chercher une aiguille dans un baril de poudre. Ouh, belle explosion. Et la caméra qui s'éloigne pour qu'on profite du panorama. Il y a vraiment cette impression de grandeur. Il y a l'avion là-bas avec Sully qui est dedans, normalement, qui nous attend. Et pour terminer avec l'aspect visuel, Digital Foundry, c'est une chaîne qui existe depuis des années, que j'aime bien suivre. On montrait image par image des poses.
Et en gros, sur cette version PlayStation 5, on voyait quelques petits buissons, quelques petites touffes d'herbe, légèrement en plus de feuilles sur les arbres au loin. Mais en vrai, c'était déjà tellement une prouesse. Il y a une personne qui l'avait dit en commentaire, c'était déjà une telle prouesse technique sur la PlayStation 4. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être avoir un peu plus de travail d'amélioration. La vie des moines était partagée entre plusieurs bâtiments, le principal étant à côté du cimetière. Plutôt sympa la déco. Je suis d'accord. On a du bol, il n'y a pas de gars de Shoreline. Ouais, à mon avis, ça va pas durer longtemps, ça va tirer dans quelques secondes là. Qu'est-ce que tu paries ? Ouh ! Oui, de la dynamite. Je pensais que c'était des cigares. Eh, tu fais gaffe avec ça. Ok, je peux pas en prendre plus. Je pense que vu les caisses qu'il y a, il va y avoir des ennemis qui vont arriver et je vais devoir me cacher. Pour annuler, moi je vais pas annuler, moi je vais même me cacher vite parce que ça va arriver dans quelques secondes là. Ça va être full ennemi, non ? Ah non. Légèrement bruyant. J'espère qu'ils nous ont contents. Ça explose de partout, alors ça passera peut-être inaperçu. On l'espère. Donc voilà pour ce qui est des améliorations visuelles. Mais c'est beaucoup trop haut pour nous. Faut qu'on trouve un truc sur lequel grimper. Ouais. Sur ton dos. Va falloir trouver un truc qu'on fasse, qu'on pousse et que... Ah, j'ai trouvé, je crois. Non. Non. Si. Très certainement le truc jaune. Mais avant que je puisse le déplacer... Ok, j'ai compris. On va faire péter d'autres trucs. On va casser ça. Bye bye la porte. Et... J'ai fait sauter pas mal de trucs dans ma vie. Et aussi l'absence de multijoueur, ça je suis vraiment... On pourrait utiliser ça pour grimper et sortir. Un peu dégoûté, même si vous me direz, bah, j'ai qu'à relancer le Uncharted 4 de base et je jouerai au multijoueur, c'est sûr. Mais ouais, j'aurais aimé, même pour ceux qui n'ont pas fait le jeu à l'époque et qui achètent cette version-là, et bah comment ils font ? Ils profitent pas du multijoueur qui est quand même... qui est quand même agréable. C'est pas l'élément essentiel ni principal du jeu, mais moi, comme je l'ai dit, j'aime parce qu'on revoit des décors du jeu. Même entre potes, le maniement est cool, les modes de jeu sont sympas. Il m'a pas grillé. Et on peut les marquer comme ça. Je me suis gouré de touches pour le marquer. Je vous dis comment faire et je me gourde de touches moi-même. On va essayer de se la faire furtive. Ah, ils sont en train d'arriver sur moi là. Ça va être chaud que je me fasse pas griller vu comment ils arrivent. J'ai fait exprès de descendre. Absolument pas, j'ai pas fait exprès. Chut. Je sais, j'y vais à l'aveugle. Matez-moi ça, ce professionnel qui a de la chance pour une fois dans sa vie. Eh ? Il en reste deux là, mais il y en a un que j'ai pas marqué. Ouais, voilà, lui, je l'ai pas marqué. Est-ce que je garde mon arme ou est-ce que je tire ? J'ai bien envie de lui sauter dessus. Est-ce que je peux le faire juste pour la vidéo ? Vas-y. Oh ! Pas mal, hein, ce finish him. Ah, on a un mec qui a un peu bugué. Mec ! Bonne nuit ! J'aurais peut-être eu un succès en jouant discrètement. Ouh ! Ouh ! Il en restait un autre ? Il est où ? Ah, j'entends tirer, mais je vois pas d'où. Ah, il est là ! Ok, le fait que je me sois fait repérer, peut-être que ça en a fait pop d'autres. Oh punaise, je l'ai pas vu, lui ! Il a fait la même technique de se cacher dans la fougère que j'ai fait. Ouh ! J'ai pas été très fort. Oh non, je suis dégoûté, on avait bien joué. On recommence, on essaye de se la faire discrètement. Vas-y, on essaye de se la faire discrètement. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en pensez de cette version-là, si vous trouvez que c'est quand même une bonne chose. Moi, ça me donne vraiment envie de refaire le jeu, pour le coup. Mais voilà, quoi. Mais je comprends les personnes qui disent qu'il n'y avait rien à améliorer. Mais dans ce cas-là, s'ils n'avaient rien à améliorer, c'est accepter aussi de... Oh ! Accepter aussi de ressortir des remasters où il n'y a rien de fait de nouveau. Et accepter de payer une nouvelle version avec rien de nouveau. C'est un peu... Du coup, ça incite les développeurs à par la suite se dire « Bah attendez, mon jeu il était déjà parfait à l'époque, pourquoi je devrais le refaire ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas d'accord. C'est ça, c'est oh, c'est que les... je joue comme un pied. C'est que les remasters, les remakes, il y a tellement des choses incroyables et en même temps des choses incroyablement honteuses qui sont faites
Il y en a qui respectent vraiment les joueurs et il y en a d'autres qui respectent complètement pas le joueur, voilà. Donc non, je suis pas d'accord sur le fait que même s'il était parfait en 2016, il est toujours parfait, mais rendre parfait le parfait. Plus que parfait, je dirais même. C'était quoi ça? C'était un couteau au cas où, je crois. Non, c'est pas ça. Attendez, il y avait pas un autre truc? Ah non, je dois avoir des visions. Tiens, donne-moi tes balles. Tu dois faire des prières. Tiens, vas-y, donne-moi ça, t'en auras plus besoin, naze. Voilà. Mais je prends du plaisir. Me gourde touche parce que pour recharger c'est triangle, mais c'est vrai que la plupart des jeux que je fais d'habitude c'est carré pour recharger les balles. C'est bon, c'est fini. Toi t'en veux aussi? Toi attends, vas-y, bouge pas. Voilà, c'est bon, on est bien. Bon, alors où en étions-nous? Ouais, je prenne ça et que je l'amène là-bas. Parfait. D'accord. Et... bien joué. Ça aurait mal tourné. Ouais. Allez, on se tire d'ici avant que quelqu'un s'en aperçoive. Et lui, j'ai toujours trouvé qu'il ressemblait à un des acteurs de Beverly Hills High. Non, Beverly... Non, je sais plus comment on disait, une série des années 80-90. Et je crois que l'acteur, il est décédé, d'ailleurs, il était assez jeune. Sam, il ressemble à un... Je crois que j'en avais déjà parlé à l'époque dans les vidéos de Uncharted. Je sais plus comment il s'appelle, cet acteur qui avait une tête... qui ressemblait à sa tête, quoi, en gros. Bon, là, ça devrait être bon, là. Voilà, parfait. Allez, on y va. Allez, Nate. Ouh. Et je me souviens qu'il y a un autre décor, mais après, je vais peut-être pas refaire des milliards de vidéos dessus. Mais il y avait un autre décor plus loin dans le jeu, je dirais vers... pas vers la... Ouais, vers la fin, vers 80% du jeu. C'est où bon. On arrive dans des ruines. Attention. Où c'était d'une beauté... vraiment... je crois que j'avais fait mon test... Peut-être j'avais fait mon test là-bas. Ouais, ça va. Allez, suis-moi. Ma vidéo de présentation, je donnais mon avis à l'époque parce que je trouvais ça trop beau. On arrivait dans une ville dévastée. Voilà. Ouh. Et j'hésitais à le refaire. À quoi, voilà. Tu crois que c'est dans tes cordes? Ah, pardon. C'est moi qui t'ai tout appris. C'est pas faux. Ok, vas-y, je te regarde. Il est mort. T'as eu un peu de mal. Ça aurait été trop drôle. Bon, tu veux que j'aille où maintenant? Moi, ça me chatouille, je dois avoir un poil de chat. Ou un poil de nez. bon, vas-y, on va par là. Quelque chose me dit que ce n'est pas par là, mais plutôt de ce côté. Là, mon gars. C'était ça, voilà. Donc ouais, j'espère que ça va, vous. J'espère que vous êtes... Il y a une échelle que je peux pas atteindre. Ok, bouge pas. En forme. Et en même temps, j'ai un poil. En même temps, j'ai un bouton. Donc ça fait un peu mal. Donc... Et aussi, on s'en fout, je pense. Le mec qui vient de découvrir ma chaîne YouTube et qui voit cette vidéo pour la première fois, il doit se dire « Mais c'est quoi ce mec qui parle de ses poils de nez ?» Bah, bienvenue à toi. Ici, on parle de poils de nez chaque vidéo, c'est très important dans la vie. Et sachez que sur cette version 4K, les poils de nez de Drake sont beaucoup mieux faits. Si, j'ai vu sur Digital Foundry. Non, par contre, les ombres étaient... Et sur les visages, les ombres, les contrastes... Et aussi, certains détails du visage étaient plus impressionnants. Tu veux me hisser? Mais attends, tu veux me hisser comment, mon gars? Tu veux que je descende et je vienne comme ça, peut-être? Ouais, je pense que c'était ça. Allez, pas! Allez! Super, merci. Voilà. Merci, mon pote. Merci, mon frère, plutôt. Ah, ça sent la petite glissade, là, non? Ça y est, le voilà. On y arrive. Dortoir des moines. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Oh, tu vas nous porter la poisse. Bon, je passe par là, moi. Je regarde combien de temps on a commencé, quand même. On s'éclate bien là-dessus. Grave. Ah, parce que j'ai pas sorti encore la deuxième vidéo d'Uncharted, donc c'est pour ça qu'il faut pas que je fasse durer celle-là trop longtemps, parce qu'il faut que je vous sorte et que je fasse la miniature de l'autre. Ouais, vaut mieux que je monte pour le moment, je pense. De toute manière, le trajet est indiqué par là. Matez-moi ces rayons de soleil. Bonjour les tics. Tu vas voir les tics. Je vais aller pisser pendant que tu fais la leçon au bleu.
Je vais lui sauter dessus. Oui. Il a maté la révolte. Je crois qu'il est mort. Aide, il a réussi à la contenir. Mais une fois que l'argent s'est mis à manquer... Oh, il y a un trésor. On n'avait plus de raison de rester avec lui. En général, il n'a même pas passé la nuit. Un trésor, c'est de la dynamite. Oh. Les affaires, c'est les affaires. Vraiment, c'est pas faux. Il y a un bon coup d'état. Ouais, m'en parle pas. On se fait un petit fusil à pompe. Est-ce que j'ai le mode photo d'activer ? Je voulais pas montrer qu'il était... il y a le mode photo, mais à chaque fois que je redémarre le jeu, il faut que je réactive le mode photo. Et matez-moi ça, je vais faire une balle. Et là, on met le mode photo. Et c'est pas trop stylé, je peux faire la miniature de la vidéo. Et là, c'est parfait. Matez-moi ça. J'adore les modes photo. Ça, c'est la plus belle technologie qu'ils ont ajoutée sur console dernièrement. Enfin bref. Voilà. Je crois que sur YouTube, il vaut mieux éviter les miniatures où il y a du sang. Et je vais éviter une arme au corps à corps avec des attaques à longue distance comme ça. Ok, je vais crever les mecs. Oh oh. J'avais oublié que je mourrais autant dans le jeu là. Non 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 non. Et on peut tirer en étant à couvert. Par contre, je crois que j'ai vu un mec sur ma droite là, non? Non, c'est bon. Ils arrivent. Voilà. J'ai plus de balles, j'ai plus que mon pistolet, il y avait un fusil à pompe juste là, donne-le-moi. Et là on va foncer. Tiens, on n'a pas essayé l'Uzi encore. J'arrive mon pote, tu vas crever. Attends, regarde, goûte ça. Elle est bien là, non? Je tire à côté exprès et là, ils sont pas morts. Je suis d'aise. Vas-y, montre ta tête. Oh, oh. Là, il va te sauter dessus, attends, bouge pas. Mais allez. Ratez-moi ce naze. Pas mal ce petit fusil à pompe. Pas mal aussi ça. Ah, t'as fait la même chose que moi. Oh, j'ai eu le jackpot. J'ai eu le jackpot là. Et voilà le travail. On est bien là. Que quelqu'un entende tout ça. Allez, restons pas là. J'ai pas des petits trucs. Bon, on va arrêter de fouiller partout. Allez, on continue quelques secondes et après on s'arrête là. Par où pensez-vous que je dois aller? Je pense que des munitions ne seraient pas refus plutôt. C'est un peu buggy, mais je vois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Il faut juste que je trouve un truc pour m'accrocher, genre ce truc là. Et là, on devrait être pas trop mal. Donc j'espère en tout cas que ces vidéos-là vous auront plu. Je vais pas non plus en refaire 150 sur Uncharted, mais j'aurais aimé en faire une ou deux sur le multijoueur. Malheureusement, vous l'avez compris, il n'y est pas. Mais en tout cas, ça a été avec plaisir d'y rejouer un peu. Et moi, je pense que je vais le terminer de mon côté quand même. Le reterminer, me le refaire. Parce que c'est quand même un jeu culte de la... j'allais dire de la PlayStation, mais oui, de la PlayStation. Mais c'est surtout un jeu culte en tant que joueur de jeux vidéo. Je pense que c'est une série à avoir au moins essayé. Même si certains sont pas fans de la série Uncharted, ils trouvent ça quand même linéaire, un peu ce que je peux comprendre. Mais c'est, je dirais que c'est plus un jeu grand spectacle. Avec, enfin, moi j'aime bien, donc j'ai pas besoin de me justifier. Ouais, t'as vu. Alors une petite. Viens, on fait du toboggan, mec. Voilà. Super. J'aurais dû le buter. Ce gars est à la tête de tout notre groupe. Qu'est-ce que tu crois que t'as dit pour être? Moi, je me contentais de suivre ses ordres. Et alors, qu'est-ce que tu crois que tu ferais? Elle m'aurait désingué. Exactement. Respire profondément et repars de ton côté. Ce sale petit enfoiré. Il croit qu'il peut me dire comment faire mon boulot? Américain, il n'est pas en train de se faire des amis. Bah, tant qu'on voit la couleur de son pognon, moi, j'en ai rien à foutre. Je crois que Drake va se pointer. Apparemment, c'est ce que pense Nadine. J'aimerais tellement les voir débarquer, lui et sa bande. Ah, on est tous dans le même cas. Viens, mon pote. Mon pote moche. Mon pote moche. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça doit être une chanson, non? This is... Netto. Je crois que je l'entends marcher, l'autre il revient. Ouais. Pas mal hein, le 300.
J'adore le 300. 300, mon gars. Ils devraient me remercier. Grâce à moi, ils font du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Par où dois-je passer? Bon, bah nous, on va s'arrêter là. Sinon, je vais faire durer la vidéo. Vraiment, là, je vais encore... je suis capable de continuer pendant des heures et des heures. Mais sinon, la vidéo ne sortira jamais de... Lost Legacy. Faut que je sorte celle de Lost Legacy. Ah, c'est pas comme ça que je dois y aller. Attends, c'est qui? Ah non, c'est mon frère qui est là-bas. Par où je passe? Je ne sais pas par où je dois passer, mais nous, on s'arrête là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit moment. Vous me dites en commentaire, mais je pense pas que je ferai une autre vidéo dessus, sauf si vous êtes chaud, sauf si je vois que ça vous plaît, bah ça sera à ce moment-là. Avec plaisir de vous en proposer une autre. Je verrai bien. Et dans tous les cas, si ça sera pas sur Uncharted, là, il y a du... Sam, viens par là. Comment ça s'appelle ? Dying Light 2 qui arrive, donc il y aura pas mal de... Sûrement vidéos découvertes, sûrement des vidéos comme ça, on fera des vidéos détente tranquillement. Il y a Horizon également qui arrive, on fera sûrement la découverte, on fera sûrement aussi des vidéos détente comme ça. On fera aussi toujours des vidéos un peu sur Riders Republic, sur d'autres jeux que j'ai acheté sur Steam, sur d'autres jeux comme Far Cry 5 où je vous ai fait des vidéos et Far Cry 5, j'ai fait quoi d'autre aussi? Bah là, Assassin's Creed Origin, j'ai réinstallé un autre jeu là aujourd'hui où je referai une petite vidéo où on se repromènera dessus. Et voilà, je pense que là on est reparti avec pas mal de vidéos et pas mal de jeux, donc c'est cool. Juste laissez-moi savoir où je dois aller d'abord. Parce que on vient de par là, donc je pense qu'il faut que je glisse et que j'essaye d'atteindre là-bas. Donc j'essaye juste ça. Et après, j'adore glisser en diagonale. Je suis balèze. Voilà. Donc sur ce, merci. Et j'ai tué mon frère. Allez, respire. Ah non, il est encore là. La glissade qui t'attend.